Donc I Love Tablet, toujours au Showstopper, donc l'événement réservé pour la presse. Donc voici le HP Envy X2, donc on vous en a parlé tout à l'heure dans un article. Donc c'est une tablette PC portable qui tourne avec Windows 8 Pro. Alors juste pour vous faire voir, je vais juste demander à la petite dame si je peux récupérer. Alors vous voyez, vous avez juste appuyé là-dessus, ça change directement. Faites ceci comme cela. Donc après, au niveau caractéristiques techniques, donc évidemment ici on appuie là et le dock se détache. Un peu comme ça. Là. Ok, ça marche. Donc si on appuie, c'est un peu comme le système de la Transformer, donc, je vous fais voir. Donc le truc sympa, c'est dès qu'on appuie assez longtemps comme ceci, ça revient sur le menu classique. Donc, là on peut lancer les vidéos, les photos par exemple. Donc c'est hyper actif. La tablette en elle-même est assez jolie, assez fine. Je vais voir juste là. Donc là il y a un port audio ici. Là c'est pour connecter le dock et là c'est le on-off qui est ici. Après on a le volume qui se trouve là, plus moins juste là. La caméra qui est juste ici. Ici le power. Et juste là. Donc, c'est une belle tablette. Hein. Là on revient comme ceci. Et là on peut revenir encore sur le système. Donc, c'est vraiment pas mal fait. Elle est beat audio, donc ça veut dire qu'on a un son vraiment très 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 agréable avec. Et alors si je réussis à récupérer le dock, parce que c'est un peu la cohue, je vais essayer de récupérer le dock. Excuse-moi. Sinon je perds. Et donc je finis juste avec le dock, donc comme vous pouvez voir. Le dock ici, ça se plug jusqu'ici. Donc c'est un peu le système de la Transformer, c'est pareil, hein, c'est le même système. Ici la touche de raccourci, un trackpad ici. Et là si on tourne, donc ici c'est de l'USB, de l'USB, donc ça doit être un USB 3. Là vous avez une sortie audio. On tourne comme ceci, il n'y a rien. Là vous avez un port USB, ici c'est la prise pour recharger la tablette en elle-même. Et après vous voyez, c'est pas mal, au niveau du design c'est assez joli. C'est hyper léger. C'est très très léger, ouais. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Et donc si ça se plug après, là on va pas avoir le temps, mais vous voyez, ça se plug après juste ici. Donc c'est un produit qui doit être disponible logiquement pour les fêtes de fin d'année.